comme dans tous les pays du monde musulman. À Djibouti, la ville est nocturne durant le mois sacré du Ramadan. La nuit est plus festive que la journée. À Tadjoura, après la rupture du jeûne, les rues sont d'un seul coup noires de la population. Les commerces ouvrent grand leurs portes. Les gens semblent sortir de nulle part. L'ambiance de joie suffit qui résonne à chaque ruelle de Tadjoura. Les enseignes lumineuses des magasins et les klaxons des voitures donnent chaque soir plus de couleurs à ces nuits de Ramadan. Les magasins ont tenu à suivre le rythme des besoins de la région de Tadjoura et nous avons travaillé dans ce cadre pour alléger le fardeau, a-t-il dit un des commerçants, en fournissant toutes les exigences et fournitures afin que les habitants n'aient pas à se rendre dans la capitale pour en pendre à leurs besoins. D'autre part, au bord de la mer à Badaf de Tadjoura, les activités commerciales des jeunes illuminent ici les cafés, le thé, pour digestion de Aftour, les plats pour dîner et suhoor tels que le riz au poisson, des galettes pour les jeunes vendeuses et vendeurs de café, ainsi que le dîner et suhoor sont satisfaits de leur petit commerce de mois de Ramadan qui leur apporte des revenus. وكبابي لا يكفيني.